Déjà l'eau de pluie, donc elle va dans la cuve et elle arrive par ici. D'accord. Donc là, ça va dans la pompe. Et dans la pompe, ensuite, on aspire l'eau et on la renvoie soit effectivement vers le système pour la machine à laver et les toilettes pour l'étage. Et puis, soit en fait, ça va ici dans le circuit d'eau qui est plutôt dédié pour le jardin. Bah, globalement, quand on arrose le jardin, le gazon, ça fait beaucoup d'eau, bah, rapidement la pompe se met en route, mais elle reste tout le temps en route, c'est pas un problème. Mm-hmm. Mais quand on fait du coude à coude pour le jardin, pour les tomates, les fraises, bah, du coup ça se met en route uniquement de temps en temps. Ok, je comprends. Et c'est ça qui prend le relais. Donc ça va vers le jardin. Donc ensuite, là-bas, j'ai 6 électrovannes. Ça, c'est l'électrovanne principale. Et puis, c'est piloté par le système électronique qui est ici. Et du coup, bah, j'ai piloté en fait mes séquences pour chacune. Mmh. Le gazon, tel jour, tel heure. Ah oui. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, celle-ci est reliée à mon pluviomètre. Oui. Et grâce à mon pluviomètre, si jamais il a vraiment beaucoup plu, le système le sait, et donc du coup, il n'arrose pas.